Je veux dire, c'est la sorcellerie avec toi. Tu me trouves avec la télécommande à main, tu arraches. On t'a envoyé. C'est quoi? C'est comment avec toi? C'est comme ça alors. Après, quand ton chéri Coco va venir, comme toi, tu es sa bien-aimée, là, je suis le diable. Tu vas dire que je suis encore venue te provoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui viens me chercher. Comme si quand j'achetais ma télé, si tu étais là, tu viens aujourd'hui, tu zappes. Tu connais comment on remplit une maison. Femme au foyer, mon œil. Il fallait aussi venir acheter ta part. C'est toi qui connais comment on achète une télévision. Il y a la télé chez vous. Chez tes parents, il y a le genre de télé. Calme-toi, je te rappelle qu'il y a la télé et c'est elle est plus grande que ça, donc faut te calmer. Mais va porter la télé chez ton père, tu viens voir, non? C'est ici que tu viens voir la télé. Mais va prendre chez ton père, tu viens voir. La télé qui est là où je me trouve, tu veux quoi? C'est ma télé, madame, c'est pas la télé que ton mari a acheté, ce sont mes efforts. Donc je ne te permets pas. Une seule chose te sauve, ton machin que tu as dans le ventre là. Et te dit, parce que je ne peux pas faire la prison. N'appelle mon enfant machin. Fais ta part d'enfant avant de l'appeler machin. N'appelle plus jamais mon enfant machin. Je ne veux pas faire la prison. Je vais te tuer de la manière la plus douce possible. Je ne vais pas te tuer avec mes mains. C'est que tu es déjà morte depuis. Je vais te fracasser. Attends. Tu vas voir. N'est-ce pas? Oh, Cristal, mon Dieu. Tu es là, tu m'empêches même de voir ma télé. Tu es venu pour voir la télé. Tu es venu pour voir la télé. Tu connais comment on paye les images. Tu travailles l'argent ici, là. Tu as quoi? C'est là-bas où tu as mal. C'est là-bas où tu as mal. Hein? Tu vas lire le... Regardez-moi le déchet, là. Oui. Dis tout ce que tu peux dire. Et toi, tu me dis que non. Ta bouche, là, le cul, tu bavardes. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est ta petite boule de sang qu'il y a dans ton ventre là. C'est ça qui te sauve, c'est ça qui te protège. Sinon, on devait prouver qu'il était malaxé. Laisse-moi, Cristal. Attends. Je me. Quoi? Tu as la chance. J'ai laquelle chance? Parce que c'est ça qui te sauve. Si je commence, justement, c'est aussi. Vas-y, te vends avec mes mains. C'est aussi là. Ça qui te sauve. Tu vas mourir. Parce que si c'était pas ça, j'allais me lever sur toi. Regarde-moi, j'allais me lever sur toi. Oui. Si tu penses que la force, c'est le corps, continue. Continue. J'attends d'abord ton comme mari. Comme tu fais ta sorcellerie là. Je dis que j'attends ton mari. Gros, c'est trop. Continue à attendre. Comme tu fais la sorcellerie là. Tu as dit que tu vas pas. Si tu ne me rates pas le jour, tu vas pas me rater la nuit. Je vais pas te rater la nuit, est-ce que tu m'as. Ok, d'accord. C'est la mort qui te poursuit depuis là. Il y a pas de problème. Oui. Mais tu vas mourir avant moi. C'est ce que tu crois. Moi là, je vais aller signer un contrat même avec le diable pour te tuer. N'est-ce pas? Je vais finir tes jours. Même s'il faut que j'aille coucher le diable, je vais partir coucher le diable. Avant que tu n'arrives là-bas, attends. Tu ne seras plus vivante de ma cour. Attends. Tu vas faire ça comment? Là, tu parles. Je vais te faire partir de cette maison, coûte que vaille. Reste tranquille. C'est mon affaire. C'est mon problème. Tu me fais pas confiance. Vous là, attendez. Attendez, arrête tes pieds en route. Mais c'est quoi ça, la fin? C'est quoi? C'est même quelle maison ça? C'est quelle sorcellerie? Hé, arrête de crier. Donc, ferme la bouche. Qui ferme la bouche? Toi, même ferme ta bouche. Je vais me fâcher contre toi. Fâche-toi. Tu vas dire à ton machin. C'est quoi ça? Il faut dire à ton truc-ci. Je ne peux pas me reposer dans ma maison. Parce que deux esprits sont venus. Hein? C'est quoi ça? Comme tu es allé prendre ton bagage, ton cadavre ambulance pour venir avec ici, là, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas séancé. Vous êtes toujours là en train de vous quereller. Vous vous querellez par rapport à quoi? Je vous ai déjà demandé de faire la paix entre vous. Qu'est-ce qui ne va même pas? La paix, hein? Mon nez. Elle ne peut pas me reposer. Ta bien-aimée, ta tendre épouse. Elle t'a fait quoi cette fois-ci? Elle vient de voir la télé. Je suis en train de voir la télé. Elle arrache à tes commandes. Mais c'est normal. Si c'était moi, tu n'allais pas me gronder. Et maintenant, tu me grondes. Gronde sur ta femme. Alice. Hey. Attends. Tu as fait ça? Elle ne regardait pas la télé, mon Dieu. Je ne regardais pas la télé. Comment j'ai la télé? Comment ça va que je suis la télé? Suivez la télé avec le téléphone. Suivez-moi, bon Dieu! Hein? Tu avais. Là, c'est qui? C'est le téléphone de qui ici? C'est mon téléphone. Attends. Ça voudrait dire toi si tu avais un téléphone. C'est un portable. Écoute. Je passe avec mon téléphone, c'est le portable. Et elle avait aussi son téléphone. Elle était sur le téléphone. Elle était sur WhatsApp, sur quoi? Je ne connais même pas. Elle était sur son téléphone. Elle ne regardait pas la télé. Alice, tu as arraché la téléphone d'entre ses mains. La téléphone. Plus la téléphone. Elle a mangé ta tête. Laisse-moi. Tu as arraché Tu m'embrouilles vraiment. Tu as arraché la télécommande entre ses mains. Elle ne regardait pas la télé. Et quand on met une chaîne, on dépose la télécommande. C'est que l'habitude du village, ça. Tu mets la chaîne, tu arrêtes la télécommande. C'est la télé de ton père qui veut voir ça comme tu veux. C'est quoi? C'est la télé de ton père. On dépose la télécommande, tu arrêtes. Ouais!
C'est quoi ça? Vous allez me donner l'AVC. Je t'ai dit que tu vas faire que je vais écraser ton machin. Tu ne feras rien. Je vais tuer ça. Je t'ai dit que tu ne feras rien. Je vais faire ça. Hein? Si tu ne veux pas, si tu veux avoir la paix, tu nous divises, tu ne sais pas. C'est justement. Il y a la prison. C'est la prison là qui me retient encore. Mais c'est quoi ça? C'est ça qui me retient. Parce que ce que je veux faire, ton truc, c'est là. Tu vas voir. Respire. Alice. Respire, Christa, il faut respirer. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu es arrivé ici et tu as arraché la télécommande entre les mains de Cristal? Parce qu'on va tout dire, c'est Cristal, c'est Cristal qui dérange, c'est Cristal qui... Tu le fais pourquoi? Elle ne regardait pas la télé pour commencer. Maintenant, de deux, mon enfant voulait voir les dessins animés. Hein? Pardon? Tu as dit quoi? Mon enfant voulait voir les dessins animés. Ton machin qui ne s'est même pas encore bien formé, la demande, voyez les tintins. Attends, attends, attends. Tu as un enfant, ma chère. Non, pète ton enfant. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Arrêtez ça. Le machin qu'elle porte là, c'est ça qui va les tintins jusqu'à tu acceptes ça. Attends, c'est la question que je veux poser, Alice. Tu es sûre que ta grossesse là, c'est... C'est une vraie grossesse. C'est la grossesse de la planète Terre ou c'est la grossesse de la planète Mars? Dis-moi un peu la vérité. Parce qu'elle ne comprend pas. En réalité, l'enfant a à peine, donc on est dans les 3 mois. Comment se fait-il subitement que l'enfant t'a peut-être... Donc elle lui a-t-elle l'enfant parlé? L'enfant parle. Dis-moi un peu. Tu peux voir les tintes. L'enfant attends, tu commences à me faire peur. Oh. L'enfant a les il t'a parlé en quelle langue? Si tu ne peux pas comprendre, chérie, toi tu ne peux pas comprendre. Et si tu tombes enceinte? Et les gens qui ne peuvent pas aussi comprendre parce que je vais tomber enceinte. Attends un peu, et une question. Il t'a dit qu'il voulait regarder moi, les tintins. Moi, je n'ai jamais vu les gens. L'enfant t'a dit qu'il voulait regarder les tintins. Il n'y a pas les tintins dans ton téléphone. L'enfant des moulets. Tu ne pouvais pas mettre les tintins sur YouTube. Non, mon enfant voulait voir ça dans le grand écran. C'est ce qu'il t'a dit. Mais va porter l'écran de son grand-père, non? C'est l'écran de mon mari. Tu es sûr que c'est mon mari qui est l'auteur de la grossesse là? Arrête de dire et ça. Va là-bas. Arrête de dire tu les bêtises. Tu as vérifié ça? Toi, depuis quand l'enfant là-bas n'est pas allé faire le test, quand l'enfant là-bas n'est, je ne peux pas accepter ça. Ça, ce n'est pas ton enfant. Toi, tu as conçu. Ce n'est pas ton enfant. Depuis qu'elle te demande de porter une grossesse de moi, tu l'as porté. Ça arrive. Que quand je vais vous dire qu'elle va accoucher les triplés dans la maison, c'est. Mais c'est quoi ça la fin? Regardez comment je vieillis tous les jours. Regardez, vous m'avez trouvé ici. J'étais tout jeune, j'étais tout beau. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Regardez ma barbe, regardez mes sourcils. Tu as choisi. Regardez-moi. Tu as choisi de vieillir. Quelqu'un ne t'a pas envoyé. Hein? Tu as choisi. Toi, de ton côté, c'est ce que tu fais de l'autre côté. C'est... Mais c'est quoi la fin? C'est à cause de ta banane malaxée là. Hein? Vous êtes même qui à la fin? Toi, tu as donc mal fait. Il faut qu'elle te dise ça. Tu ne dois pas arracher. Il fallait lui demander la télécommande. C'est quel comportement d'animal ça? Elle voit la, elle met une chaîne, elle avait la télécommande à la main. Mais c'est fallait quoi lui demander ça? Il n'a pas la Alice. Télé dans la chambre de toi. Je parle avec elle. C'est peut-être la télé quoi? Et le téléviseur de la chambre, qu'en as-tu fait? Je devais m'asseoir au salon. C'est l'enfant qui t'a aussi dit de venir au salon. Oui, l'enfant a demandé que je m'asseye au salon. Les tintins du salon. Oui, avec l'écran du salon. Je t'ai dit, oh. Je ne fais que te dire. Même s'il faille que j'aille prendre une calabasse chez le marabout. Non. Pour finir avec cette fille. Je vais finir avec elle. Assez, je t'ai dit, ça va chauffer ici là. Tu m'arrêtes ça. Je vais vous amener chez Pasteur Mopao. Honnêtement, à ce rythme sinon, je crois qu'il est le seul qui peut vous délivrer. Honnêtement, on m'a dit qu'il est efficace. Va d'abord te faire délivrer. C'est toi-même qui es venu avec le diable dans la maison. On était ici en paix. Tu es parti porter ton démon. C'est toi le diable. C'est toi le diable. Tu prends Satan. Regarde-moi l'autre. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu, pitié. On avait la paix. On avait la paix ici là. Je vais vous laisser ici un jour. J'irai me dire. On avait aussi la paix. On avait aussi la paix avant que je ne vienne ici. Tu es dans la maison ici. On allait en paix. Allez dans votre maison. Allez dans votre maison. C'est dans votre maison ici. Vous commencez non. Je vais d'abord éteindre la télé. Il va casser la télé là. Il va casser ça. Personne ne va plus voir j'éteins ça. J'éteins d'abord la télé. Ce que nous allons faire maintenant est que ni toi, ni elle, pendant un bon bout, personne ne va plus s'asseoir ici pour dire je regarde la télé. Tant que vous ne... Donc, vous ne vous mettez pas ensemble, vous ne vous unissez pas pour dire nous sommes désormais co-épouses et nous acceptons, nous nous aimons, nous nous respectons. Je n'ai pas me relier à qui. Et pour finir, comme je vous ai dit, je vais faire venir le pasteur Mopao ici à la maison. Il viendra sanctifier la maison. C'est demain, afin que Dieu y règne à jamais. Pour votre gouverne maintenant, vous allez vous lever, chacune. J'ai affiché le programme. Le programme, n'est-ce pas, de nos séances de nuit là maintenant. Oui, donc c'est les ça. Plats de nuit. C'est ça. Maintenant, comment ce sera servi? J'ai affiché ça au couloir. J'espère chacune va regarder son jour. Hey, monsieur, je ne vais pas laisser qu'il parle. Monsieur, quand tu peux laisser qu'il parle. Je ne laisse pas. J'espère que quand il a affiché là, quand tu as affiché là, tu as compté d'abord que tu as fait 4 jours avec laisse Alice. Laisse les arriver. Sans passer chez moi. Laisse donc, les j'espère arriver. Que tu as d'abord compté les 4 jours là. J'ai dit de laisser les arriver. Sinon, vous allez me voir. Il faut laisser ça. Chacune d'entre vous se lève et s'en va. Vous ne connaissez pas que vous avez acheté votre ticket. Si vous me respectez, mettez-vous debout. Allez, sans retour. Je m'adresse à qui? Mettez-vous debout. Allez-y.
Allez, elle... Oh, toi, tu as les démons ou quoi? Mets-toi debout. Allez, attends, passe là-bas, par là. Tu vas voir. Allez. Mais c'est quoi ça, la fin? C'est quoi ça? Qui m'a même envoyé? Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est quelle horreur? Merde. Ouais. Papa, tu as mal fait, hein? C'est toi qui m'avais conseillé d'être polygame dans ma vie. Que je suis ton seul enfant. C'est quoi ça? Voilà ça qu'elle commence à vivre. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Chacune lit ce que... Donc, chacune va lire son jour. Et vraiment, priez Dieu. Parce que si elle change d'avis sur vous, vous allez voir. C'est quoi ça, la fin? Hein? On est où, là, même? Tu me dis. Hein? C'est quoi ça? Tu viens nourrir chez moi? Oh!